Viens là, donne-moi ta viande grasse. Voilà, c'est bon. Oh, bientôt niveau 38, je viens de voir ça. Viande riche, viande grasse, viande osseuse. Ok, je pense que la viande grasse, il n'y en a pas assez là, par contre. Pour faire une potion, ça attendra. Faut que j'en achète, il faut vraiment que je croise un marchand. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Messieurs, bonjour. C'est quoi, c'est juste une tour de garde? Ouais, il semble pas qu'il y ait autre chose dans le coin en tout cas. Peut-être plus tard. Peut-être autre chose à faire ici plus tard. La fleur du coup. Sans pas, ça se fait. Ça se gardera. Tout à fait. Alors, la fleur. Faut juste chercher. Voilà. Tada! Marque 2. Non, marque 3. Donc là, on est à 9. Marque 3. Encore une, et on pourra aller voir le marchand à Méridian. Même si j'ai très envie de juste tout lui livrer d'un coup. Ça, c'est bon. Ensuite, il y a la fleur. Tout là-bas. Au fin fond du trou du cul du monde. Pour ça, je vais prendre la monture quand même. 600 pas, ouais, ouais. Pas chier. Allez, go! Cannabis, du coup, là-bas, il n'y a pas de route. Il faudra que je contourne tout le canyon. Ça va être un bordel monstrueux. Là, je vais traverser, d'ailleurs. Tant que je peux. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bestiaux? Là, c'est des charognards. Il y a des biches. Ça sera au niveau de l'eau en plus. Bon, ça va, ça devrait être pas trop difficile à voir hein, pour le coup. Ah, il y a des carapateurs aussi. Ils vont sûrement venir me faire chier. Oh bah là, en même temps. Les carapateurs maintenant. Doucement. Ah non, mais en tous les cas, c'est trop tard, ils m'ont vu. Fleur de métal, marque 2. Ok. Non, il me fait enculer, je me casse. Bestiaux à la con. Je vais faire un slalom. Voilà. Ah, il y en avait là-bas aussi, je les ai pas vus. Ok, en partant d'ici, il y a. Le projecteur, là. Faudrait que je me téléporte. Si je peux me TP ici, ça pourrait être plus simple. Hop, allez go. Perverti Méridian et tout ce qu'elle représente. Direction. Bah ouais, direction mission, du coup, je vais suivre. Vu que c'est sur la route. Ah oui, quand même. Dangereux quand même. Putain, il fait tourner en rond.
Ouais, attends, je vais couper si je peux directement à travers. C'est vers le bas. Ça, mais je risque tellement de me péter la gueule. Y'a pas un... Si, je le vois. Je vois un coin où je peux utiliser le grappin pour descendre. Ça sera 100 fois plus rapide. Voilà. On va gagner du temps là. La corde de l'infini. Et la deuxième. Et voilà, le tour est joué. Ça nous évite de faire un énorme demi-tour. Tracker. Un énorme demi-tour pour rien. Ah. Kéblo sur un rocher. Il va me tirer dessus. C'est bon. Et ça recommence. Monture, s'il vous plaît. Te manie pas surtout. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, du coup, c'était quoi cette mission-là? Proposition étrange, aller à la messe du couchant, ok. Pas plus d'infos. La messe du couchant. Maintenant, il faut que je trouve un endroit au perché, si j'en crois ce que dit Fernund. Faire qui? Au perché. Là, il y a de quoi grimper en tout cas. Là, je vois un rebord. Mais où trouver le début? Là. Ouais. Ok. Voilà, c'est parti. On grimpe. J'espère qu'il fallait rien fouiller en bas, sinon je suis bien dans la merde. Alors ça, il y a vraiment quelque chose. Et c'est vide. Il y a vraiment quelque chose. Tiens donc. Tu l'as trouvé. L'endroit idéal pour une embuscade. Maintenant, donne-moi cette extraordinaire lance. Et on te laisse partir. C'est qui on? Tu as entendu parler de moi. Tu sais ce dont je suis capable. Comment tu peux espérer t'en sortir? Je tente ma chance. Sur elle. Putain, mais il parle à qui? M'embête. Ah. Venez les gars, cadeau. Attends, il est là. Pas vu. J'ai cru qu'il m'attaquait moi là. Oh, soit il est encore bleu. Oh, il est encore là-bas. Mercenaire. Et ils sont partout. Ah, aïe, oui. Tirailler. Voilà, c'est bon, il y en a encore un ou... C'est bon. C'était le dernier. Il a fait un nom d'affilé. Ah bah. Méridien, je suppose. Tu m'étonnes. Ouais, on le retrouvera plus tard, lui. En attendant, nous, projecteur. Et le village là, tu vois, là, d'abord. En passant.
Alors, je découvre encore dans le coin. Donc là, il y a un coin de galopeurs. Oh shit. Oh fuck. Attends. Faiblesse. Ok. Givre. Non, j'ai plus de bombes de givre. C'est vrai que j'ai plus de flèches. Ah oui, non, ça va être long, ça. Ça va être extrêmement long pour la battre. Du moins avec le givre. Est-ce que je peux pas lui faire perdre des composants vite fait? Ah, il m'envoie des pigeons à la gueule. Ok, je viens de comprendre ce que c'était son attaque. Ouh, ah oui. J'arrive à lui mettre une flèche dans le cul. Dans le cul, Lulu. Faire encore 2-3 composants. Et c'est bon. Shit. Il reste plus grand chose en vie, il faudrait que j'arrive quand même à le finir. Ah, lui c'est bon. Ça en fait un, je crois qu'il y en a au moins un deuxième. Le feu, s'il n'y avait pas marqué en faiblesse, je sais pas si ça va lui faire quoi que ce soit. On va essayer. Après c'est un gros, donc ça va prendre pas mal de flèches. Voilà, il prend du feu. Ça a l'air de faire bobo. Voilà. Attends, j'ai plus de flèches. Je peux m'en faire quelques-unes. Et bon, allez-moi. Parfait, ça. Mastodonte. Ok, très bien ça. C'est des belles bestioles. Bienvenue à Eliolit. T'as intérêt, ouais. Voir notre chef Janeva à l'intérieur. Ça marche, je vais faire ça. Récupérer 2-3 composants qui traînent. Je sais pas si le feu a bien fonctionné, en tout cas il y a une grosse explosion. Ça a fait le taf. Je peux pas rentrer ici. Bon. Ça sera peut-être pour plus tard, à moins qu'il y ait une deuxième entrée. Là, il y a tout un mur qui est effondré, mais il n'est pas assez bas pour que je puisse rentrer. Là, il y a une porte ouverte. Tiens. Il y avait un leurre. On ne sait pas d'où il venait. Rasgrund a caché les pièces sur lui. Forcément. On l'a fouillé. Comment? Vous n'avez pas envie de savoir comment. Bonjour. Chef Janeva. C'est la fille qui a vaincu les mastodontes. Étrangère, tu m'impressionnes. Ça n'arrive pas souvent. Dis-moi, tu chasses également les proies vivantes? Ça m'arrive régulièrement. Pourquoi? 3 dangereux prisonniers se sont enfuis. J'ai besoin de mes hommes pour ramener les autres dans le rang. On n'en serait pas là si on suivait encore l'ancienne méthode. Mais le passé, c'est le passé, et je suis là. Et toi aussi. Ouais, il semblerait, ouais. L'ancienne méthode? On les enterrait jusqu'au cou et c'est le soleil qui jugeait. Clairement, le jugement était déjà rendu. Le taux de récidive était presque nul. Tu m'étonnes. Qui sont ces dangereux prisonniers? Tous les 3 viennent des cages d'isolement. Mais ne les plains pas trop, ils ont bien profité de la clémence du roi soleil. D'abord, on a Rasgrund, un piégeur au sérum qui hait les Karja complètement barjot. Il a vu trop d'explosions. Ou alors pas assez. Ensuite, Oulia, une guerrière ténacte, si jamais ça te dit quelque chose. Pas vraiment. C'est une tribu? Des pillards, venus du sud.
Ils sont violents. Certains disent cannibales, mais elle mangeait sa bouillie avec entrain. Parfait. Et le dernier, c'est Gavan, un traître qui lui vendait des armes aux exilés. Par rapport aux deux autres, il n'a pas l'air bien méchant. Il a fait en sorte de prolonger une guerre civile, seulement pour gagner des éclats. On peut dire qu'une machine a plus de cœur. Ouais, l'argent c'est l'argent. Par contre, la cannibale m'intéresse. Alors, c'est là que les Karja enferment leurs criminels ? Depuis la libération. Ils finissent tous ici, des voleurs aux busards du roi démon Jiran. Le roi Soleil s'imagine qu'ils peuvent changer. Pour certains, ça a effectivement marché. Une nouvelle vie, comme par magie. Je croyais que tous les criminels étaient pareils. C'est pour ça que le roi Soleil m'a confié Iolith. Pour me montrer mon erreur. Ça semble un honneur. Enfin, je n'ai vu aucune autre femme en armure. Non. Bah, il y a Ersa aussi. Les femmes ne portent pas d'armure Karja. Quand j'étais jeune, j'ai choisi de devenir soldat. Un soldat digne de rejoindre la garde d'honneur d'Avad. Certains me demandaient ce que j'étais, alors je leur répondais « Venez voir, et je vous casse le bras. » Après une poignée de bras cassés, c'était plus... calme. Je suis curieuse, mais je préférais éviter de me battre avec toi. Bien vu. Tu veux que je te ramène ces prisonniers ? Non. Je veux qu'ils soient enterrés. Allez ! Mais je doute qu'ils te laissent le choix. Ils ont refusé la main tendue par le roi Soleil. Mais maintenant, c'est mon tour. J'ai mis leur tête à prix. Oulia la Ténacte, Razgrund l'Océram et Gavan le Traître. Si j'accepte de t'aider, il me faut une piste. Bien. Quand Oulia est arrivée dans l'Hélium, elle suivait les bandits de la jungle. Elle risque de les rejoindre. Razgrund l'a sortie d'une faille dans la Mesa. C'est là qu'il bricolait ses bombes. Et Gavan doit essayer de payer pour traverser le lac. Je suis prête à le parier. Va voir au Grand Bazar. D'accord. Tiens, oh, un marchand. Bonjour. Vendre. Déjà, ça. Ça. Puis après, on est à 93 espaces sur 100. Vendre plusieurs. Je vais vendre les 23. Ça va me faire un peu d'espace. Et je vais devoir par contre acheter une quantité astronomique de merde. Ressources. Y a pas de bois. Ah si, fagot de bois. 200 cannes d'érivage. Parfait ça. Ah bah là il y en a. Je viens d'en prendre 4. Donc 4 x 200, il y en a pour 800 déjà. Ça coûte combien? Parce que là j'achète comme un trou du cul, mais 20. Plus de la bluette. Ouais, allez, une de plus, pour le plaisir. Je sais même pas si j'en ai pas en stock, en fait. C'est possible. J'en sais absolument rien. Faudrait voir. Voilà. Vendre, c'est bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais regarder dans mon inventaire, dans les ressources, je suppose. Ouais, là. Voilà. Mais nickel! J'ai pris une quantité astronomique de bois. Tout ce qu'il faut, là où il faut. Voilà, on est à fond. D'autres quêtes dans le coin, non. Ça c'est bon. On va pouvoir sortir et continuer notre petite route. Le projecteur qui est juste là. Ouais, sympa, c'est bon. Je peux y aller à pied. Ça va encore être en hauteur. Comme d'hab. Ouais. Conteneur, caisse de ravitaillement, ça va sûrement être là-haut. Comment on fait pour monter? C'est jamais très simple. Là il y a une corde. Prendre la corde. Là il y a de quoi grimper. Ça commence ici.
Voilà. On approche du but. La corde. Nickel. Et on y est. Projecteur, je le vois. Un projecteur. Je me demande ce qu'il va me montrer. Ah, caisse de ravitaillement, c'est propre. Et... ouais, des voitures, des buggy. Génial. Ah oui, par contre, ouais, ok, d'accord. Bah, d'un autre côté, bah... la végétation a repoussé. Le jour se lève. Hier est déjà loin. Pèlerinage apocalymerdique, jour 7. Apocalymerdique. 3 mois après ma sortie de réhab, on est venu camper ici. Wyatt est allé se coucher tôt. Et il ne restait plus que nous deux à regarder les Perséides. Ensuite, nous avons parlé des étoiles et de technologie spatiale. Tout d'un coup, j'ai décidé de ce que je voulais faire dans la vie. D'accord. C'est très précis comme info. Donc le projecteur, c'est bon. On a ensuite la fleur ici. £300, ouais, je vais quand même prendre la monture. Ça peut toujours servir. Oula. Vas-y, traverse. Alors, une dernière petite fleur avant d'arriver au creuset. On va le déverrouiller, comme ça on saura qu'il est là. Tiens, je vais taper une petite sauvegarde rapide ici, dans le doute. Ah, on m'a vu. Oh oui. Alors, la fleur ici. Oh, allez, j'ai pas envie de chercher. Ça, c'est quoi là-haut? Signal non identifié. Noyau de traitement puissant, conception inconnue, source proche. D'accord, très bien. Ça, c'est un saumon. Là-bas, la fleur. Voilà, nickel. Bah, c'est marque 3. Voilà, on a les 10. Il manque 7 fleurs de métal, c'est tout. Génial. On approche du but. Et là, on a donc le creuset. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ouais, il y a des gars, par contre. Ça fait boum. Si je dois remplir encore une caisse d'équipement, je vais tuer quelqu'un. Peut-être moi d'ailleurs. Faudrait que j'appelle. Voilà. Le bestiau, je sais pas s'il peut rentrer ici. Voilà. Lui, il peut faire un petit peu de dégâts si jamais il y a un ennemi qui s'approche. Je sais pas si ça a tué qui que ce soit, je pense pas. Il fouine encore. Sans déconner. Ouais, dans tous les cas. Bon, lui, il m'a pas vu, lui. On a de la compagnie. Ah, j'ai raté. J'ai raté. Lui, il faudrait que j'arrive à le viser, lui. Voilà. Ah, il m'en manque une deuxième. Merde, j'ai raté. Ça m'arrange pas. Lui, il a encore pas pris la flèche. C'est fait protéger encore. C'est bon. Il peut peut-être m'aider là. Peut pas grimper. Si. Non. Je vais prendre un peu d'hauteur. J'aurai peut-être accès à son arme si tout se passe bien. Il est mort. Parfait. Ça m'arrange. Aïe.
D'accord. Qui d'autre? C'est quoi là-bas? Ah, c'est deux, ok. Y en a plus là en bas. Ça a l'air d'être bon, c'est quoi ça? Conteneur de flambée, ouais, ok. Moi, ça encore. Je m'en fous. On peut casser ça ou. Ouvrir la porte. Bonjour. C'est bon. Il n'y a plus personne. Trouver l'entrée du site de fouille. Ah, ah, c'est là-dedans. Ok, bon bah parfait. Génial. Comme ça, on sait où aller. Le prochain coup, on saura exactement ce qu'on doit faire.